Salut à tous dans notre moment Sabbat délice. Louez l'Éternel, invoquez son nom, faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. Chantez, chantez en son honneur, parlez de toutes ses merveilles. Glorifiez-vous de son saint nom, que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Psaume 105, verset 1. Nous désirons vous souhaiter une chaleureuse bienvenue dans notre Sabbat délice. À vous qui êtes connectés ce soir pour célébrer ce saint jour. Que votre foyer soit rempli d'amour en ce Sabbat délice et que vous goûtiez à ces bénédictions spirituelles tout au long de celui-ci. Chers amis, Dieu désire que nos cœurs, nos pensées soient dans l'allégresse, que nous lui rendions toute la gloire qui lui est due. Il veut que ce saint jour soit pour nous un moment de plénitude, un sabbat délice, où tout ce qui s'est passé dans la semaine soit mis en stand-by et que nous puissions nous ressourcer, reprendre des forces dans les promesses de notre Dieu. Partager en famille des choses que nous aurions lues dans la semaine, des paroles pour rebooster notre confiance en notre Père Céleste. Que ce sabbat soit un délice pour vous, pour vos familles et pour ceux qui vous entourent. Soyons dans l'allégresse et adorons ensemble notre Créateur. Bon sabbat, sabbat délice. Prenons ensemble le psaume 8. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre, ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et aux vindicatifs. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs, et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tous ceux qui parcourent les sentiers des mers. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Chers amis, je vous invite maintenant à apprécier la méditation.
C'est avec beaucoup de plaisir que je salue tous ceux et celles qui regardent et écoutent ce moment de partage en cet instant. Pour commencer, vous êtes-vous déjà demandé quel était l'impact d'un beau souvenir sur votre vie? En effet, penser à un événement ou une expérience agréable de notre vie peut être source de bienfaits sur notre présent. Tout ce qui est chargé positivement, ce qu'on a vécu à un moment de notre existence, a le potentiel de nous recharger en bonne humeur dans le présent. Et le bon souvenir doit être le bienvenu dans votre présent. Et à plus forte raison si vous passez actuellement par des moments douloureux. Très souvent, un seul bon souvenir est suffisant pour ajouter du carburant dans votre réservoir émotionnel. Beaucoup de personnes n'ont pas abandonné des études, une carrière, leur famille, la foi en Dieu ou toute autre chose qui leur tient à cœur parce qu'elles se sont souvenues de moments de joie, de réussite et de miracles. Et aujourd'hui, elles sont heureuses de n'avoir pas laissé des moments d'épreuve tout remettre en question dans leur vie. Vous savez, j'aimerais maintenant vous parler de quelqu'un qui désire vous inviter à vous souvenir. À vous souvenir d'un jour particulier, vous souvenir d'un rendez-vous à ne pas manquer, un jour de joie, de bonheur et de repos. La personne qui te lance l'invitation à te souvenir d'un jour spécial, c'est Dieu. Et pour savoir de quel jour il s'agit, permettez-moi de citer les paroles d'Exode 20, versets 8 à 11. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Je crois que si Dieu invite son peuple à se souvenir de ce jour spécial, c'est non seulement parce qu'il savait déjà que l'être humain est oublieux, mais surtout parce qu'il ne veut pas que ses enfants passent à côté d'une telle bénédiction. C'est le mémorial de la création, le jour que Dieu a béni et sanctifié, le rappel que tu as un Dieu qui t'aime et qui t'a créé à son image. C'est aussi le rappel que malgré le fait que le péché ait altéré l'image du Créateur en toi, par l'incarnation, la mort et la résurrection de Jésus-Christ, tu es une nouvelle créature. Et si tu n'as pas encore accepté le salut que Jésus t'offre, sache que tu peux devenir une nouvelle créature aujourd'hui. C'est-à-dire une personne qui ne laisse plus le péché, les mauvaises pensées et les mauvaises actions avoir le dernier mot dans sa vie. Le fait de se souvenir d'une bonne chose peut changer ta vie. Pourquoi ne pas te souvenir du sabbat du 7e jour, c'est-à-dire l'espace-temps dans lequel ton Créateur t'attend? Que Dieu te bénisse. Chers amis, maintenant nous allons prier. Tendre Père, incliné devant toi, Seigneur, en ce sabbat, nous te remercions pour ta bénédiction tout au long de cette semaine et nous voulons te remettre nos cœurs, nos esprits en ce sabbat. Dirige toutes choses et que toute la gloire te revienne. Amen. Personne, Seigneur.
Espérance TV vous remercie et nous vous invitons déjà à notre prochain Sabbat délice, vendredi à 18h.